je vais vous présenter ma figurine de Small Soldiers. Voilà. Alors ça, vous voyez, il perd de la peinture, hein, vous voyez, là... Ah, c'est fou, c'est chiant, je crois que c'est pas de fou, c'est fou. Vous voyez, la tête... Ah, ben, on voit bien, quand même, en fin de compte. Donc, il perd de la peinture, parce que c'était mon frère, avant. Puis il me l'a passé depuis longtemps, déjà. Du coup, j'en fais un... je le mets sur mon bureau, en collection, vous voyez. Donc, il a les gants. Donc, il est articulé, mais il est pas électrique, hein, il n'y a rien, il est pas vivant, encore heureux. Il est... articuler les jambes là comme ça. Attends. Hop. Hop. Ah, c'est pas facile à bouger. Sinon son bras articulé. Ça c'est des fausses articulations, vous voyez. Ça ce sont des fausses. Comme les jambes. Là. Là, c'est des fausses articulations. Faut pas les bouger. Alors sinon, bah il est assez bien fait, je trouve. Hein. Il a une bonne tête de vainqueur. Sinon, attendez. Je dois tenir l'appareil photo en même temps. Là, c'est une poche, à mon avis, il doit ranger son pistolet ou ses grenades ou un couteau. Pas ça. Il y a un talkie-walkie. Et une ceinture. Des Rogers. Des Rogers, excusez-moi. Des Rangers. Attendez, voilà. Alors pour faire tenir debout, celui-là déjà c'est dur parce que vous voyez il a un pied de travers par rapport à l'autre, mais bon c'est normal, c'est été fait exprès. Pour qu'il tienne debout, attendez. Faut le mettre comme ça. Ah. Je vous jure, c'est vraiment pas facile. Voilà. Mais il faut mettre un pied devant l'autre. Faut comme s'il marchait. Alors, vous voyez, il est assez baraque, je trouve. Il est assez musclé. On dirait un espèce de Hulk. Donc voilà, donc lui c'est le major type hasard qu'il y a dans Small Soldiers, à chaque fois j'oublie le nom. Ah c'est marrant, cette fois c'est dès que je m'éloigne, c'est flou, et dès que je me rapproche, ah, c'est vrai. Les grenades sur sa poche, sur son manteau je veux dire. Sinon bah voilà. Ça j'ai jamais su à quoi ça servait, ça, le truc en plastique sur son bras. On dirait que ça fait partie de sa peau, mais non. Je sais pas ce que c'est Terminator, non. Bon, ouais. Enfin bref. Alors vous voyez, on dirait, il ressemble, moi il me fait penser un peu à... Arnold Schwarzenegger. Vous trouvez pas? Il a une tronche assez... Il me fait penser un peu à ça. Ah lui, pardon. Donc voilà, et donc il est camouflé en militaire, évidemment. Donc voilà, donc c'était Major Type Hazard de Sony... Major Type Hazard Small Soldiers sur Sony JVF. Voilà, au revoir.